Bonjour tout le monde, Dominique Lamoureux de Riche et Zen. Bienvenue à mon jour 7 de mon défi 30 jours de vidéo. J'ai juste de terminer mon yoga. Là, je suis en train de prendre le temps de répondre à quelques messages aussi à des commentaires qu'il y a sur le site. Hier, je vous parlais que les statistiques allaient bien. Je sais que je ferai un suivi là-dessus aujourd'hui. Finalement, hier soir, on s'est rendu à 707 page vue dans la journée. C'est un record sur Riche et Zen. Bien content. Donc, merci à vous tous. J'étais en train de prendre ma petite marche santé, puis je vais aller faire un petit tour à la banque. Depuis que j'ai commencé le projet 30 jours vidéo, je me rends compte plutôt que ça me met dans le jus. Des choses que, tu sais, tout le monde a ça, des choses du quotidien à faire, payer des comptes, faire l'épicerie à l'ouette. Puis, le projet 30 jours, ça a peut-être pas l'air de ça, mais quand c'est récurrent tous les jours, ça prend beaucoup de temps. Fait que là, aujourd'hui, ben, on va à la banque. Ben, c'est là qu'on va aller faire de la grosse business. Je suis dans le village à Sainte-Agathe-des-Monts et je me suis dit que je vous montrerai où est-ce que je travaille. Gagne! Tu veux-tu dire bonjour, toi? Non? Edith, c'est la propriétaire aux légendes de Merlin. Yeah. Et les futurs. Et les futurs propriétaires, hein, ouais? Donc ça, c'est le fauteuil dans lequel je fais de l'hypnothérapie. Les gens vont s'asseoir là-dedans et se reposer, se détendre pendant que je fais mon travail d'hypnothérapeute. Et puis ça, c'est le bureau dans lequel je travaille. Ça va ressembler à ça. Et quand je fais de l'hypnothérapie, c'est pas toujours juste de l'hypnose. Très souvent, on va faire du travail, on va échanger, on va parler. Donc, mes entrevues, si on peut dire ça comme ça, le travail de relation d'aide, je vais le faire ici, à cet endroit-là. On va s'asseoir, puis on va dialoguer, échanger. Et puis, ça, c'est le restant du bureau. Et on est de retour au fauteuil d'hypnose. Pas pire, hein? Je sais vraiment pas si la vidéo va réussir à capturer ce que je vois, mais j'avais le goût de prendre cette séquence-là juste parce que je trouvais ça beau. Ce qu'il y a en face de nous, c'est le lac des Sables. Puis sur le lac des Sables, ils ont fait une patinoire, puis c'est quasiment la moitié d'une des baies du lac. En tout cas, si l'objectif était de devenir de plus en plus confortable avec la caméra, je sens que tranquillement, pas vite, ça devient le cas. C'est... Ben, remarque que c'est pas tant devant l'objectif qui est difficile, mais juste au moment de publier sur YouTube puis de vous le partager. Mais là, ça va faire... Ça fait 7 jours que je fais des films. Puis je commence déjà à sentir les fruits de ça. Aussi, un autre effet intéressant, c'est que le fait de faire cet exercice-là, je me rends compte que j'ai plein d'idées pour le futur, tu sais. Faire des vidéos. Peut-être pas pendant le défi 30 jours, parce que... C'est quand même beaucoup de travail de faire les vidéos, de faire le montage, de le publier, d'écrire un petit texte, répondre aux commentaires. Il y a quand même beaucoup de travail. Par contre, après le défi vidéo, donc dans 3 semaines, je commence déjà à avoir des idées pour d'autres sortes de vidéos. C'est que c'est le fun. Le fait de faire ce projet-là avec vous, ça fait bouillonner ma créativité, tu sais. Finalement, ma chum Isabelle, elle m'a appelé pour que je vienne la chercher au Bourassa. Elle est en train de faire des emplettes pour des légumes.
Fait que je vais vous la présenter. On cherche Isabelle. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon lipstick, hein? On a des légumes, on a des fruits, du lait, du fromage. Fromage. Le porc. Ah, wesh. Fait que tu dis? Rien. La sauce? La sauce. C'est super bon, la sauce, c'est soignez. Ça. C'est soignez. La sauce, zézoanez. Ok, j'ai réussi, là. La sauce, zézoanez. Zézoanez. Oh, check ça, le candy. Il est vraiment immense. C'est un marron glacé. Un marron. Imagine du lard, le marronnier. C'est un panettone. Je pense que c'est ça qu'ils font, eux autres. La gang d'anglais. La gang d'anglais. La gang d'anglais. Ils font juste comme... Ils partent, puis ils n'arrêtent jamais, puis à la fin de la journée. Ben, j'imagine, là. Parce que, tu sais, comme tantôt, on disait des niaiseries, ça aurait pu être intéressant comme contenu. Mais si c'est pas en train de filmer, on perd le contenu. Tu perds le contenu. Là, faut tu... Après ça, faut que tu fasses du hacking. Tantôt, je disais, c'est sauce zézoanaise. Zézoanaise. C'est même comme nasillard, en fait. Là, je m'en vais chez mon ami Daniel Mercil. C'est un de mes amis ici à Sainte-Agathe. Puis, il veut me donner un bureau de travail parce que je vous en ai pas parlé encore, mais j'ai un projet pour me faire une station de travail debout. Parce que, étant donné que les blogueurs, en général, on passe beaucoup de temps à l'ordinateur, eh bien, je me suis dit, bien, si je travaille debout, ça va être un peu mieux. J'ai lu un article récemment qui s'appelle « Sitting down may be killing you ». Puis, effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être développés au niveau de la santé à rester trop longtemps assis à travailler. Donc, je veux me faire une station de travail debout. Fait qu'on va aller chercher le bureau. Mon ami Daniel! Bonjour! Bonjour! Bonjour à tous et toutes! All right! Dis un petit bonjour à ma gang sur Richezen! Richezen! Bonjour Richezen! Là, tu t'en vas où, là? Ben là, je m'en vais en Floride. Je vais au golf pendant 3 semaines. C'est bien hot, ça! Ah ouais, un bon petit bronzage! Fait que là, tu dis qu'on te pogne blanc puis tu vas être bronzeur venant? Ouais, je pars le 10 et je reviens le 31. Cool! Ouais. Donc, c'est ça qui va conclure le jour 7 de mon défi de 30 jours de vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, laissez-moi un petit commentaire en bas de page. J'aime toujours lire vos commentaires. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à mon infolettre pour avoir les nouvelles les plus récentes de Richezen. Encore une fois, merci beaucoup de m'écouter et à la prochaine!